Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. Le coup d'envoi des Jeux de la francophonie à Kinshasa a été donné hier. Le Premier ministre Patrick Kachi a assisté à l'événement. 3000 jeunes sportifs et artistes venus d'une trentaine de pays dont la Côte d'Ivoire ont défilé devant des milliers de spectateurs. Et ici en Côte d'Ivoire, 9 agents publics de la santé ont été arrêtés. Ils ont été déférés devant le procureur de la République après le pôle économique et financier par la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Ils sont poursuivis pour actes de corruption portant sur l'introduction de vaccins parallèles d'origine douteuse qu'ils commercialisaient. Il existe désormais un portail web pour informer et promouvoir l'économie auprès des investisseurs et partenaires au développement. C'est une initiative de la Direction générale de l'économie pour renforcer la gouvernance économique et capter davantage de capitaux étrangers. Quelques jours après le coup d'État au Niger, les habitants espèrent que ce changement permettra de lutter contre l'insécurité, le pays faisant face à des attaques de groupes terroristes. Le chef de la garde présidentielle nigérienne, le général Kyani, est le nouvel homme fort du pays. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Ajoutez à notre rendez-vous culturel de samedi. Nous vous proposons ce soir une histoire romancée, captivante, issue de la plume d'un jeune auteur nommé Siaka Kone. Il est étudiant à l'Institut national de la jeunesse et des sports. Son premier roman, Une vie d'espoir, en 108 pages, nous amène aux côtés d'un héros, Tagafolo, jeune enfant, contraint d'abandonner malheureusement l'école à 9 ans pour surveiller des bœufs. Mais c'est sans compter avec sa détermination, Tagafolo, où l'épreuve de la foi, du pardon, du courage met en évidence l'importance de l'éducation. Avec notre invité de la page culture, Siaka Kone, nous développerons ces thèmes aussi enrichissants. Bonsoir, M. Siaka Kone. Bonsoir, madame. Alors, vous venez de publier votre premier roman et vous proposez au lecteur une vie d'espoir et non de désespoir. Alors, comment espérez-vous que cette vision optimiste influence vos lecteurs? Une vie d'espoir parce que c'est à chaque étape du roman, voilà, il y a toujours de l'espoir pour le personnage principal. Voilà, à chaque fois qu'il y a des difficultés, il y avait toujours quelque part là-bas une lueur d'espoir qui permettait au personnage principal de pouvoir persévérer. Et vous allez nous partager votre optimisme tout à l'heure. Tout à fait. Pour vous, il faut se nourrir d'espoir tant qu'on vit. Tant qu'on vit. On se retrouve tout à l'heure, donc. C'est dans une trentaine de minutes de la page que tu veux rester pour le moment avec nous. La là où vous le savez, c'est réuni en urgence demain dimanche au Nigeria, après le coup d'État perpétré au Nigeria. Le président de la République, Alassane Ouattara, donc à Abidjan aujourd'hui, le chef de l'État, ses pairs évoqueront la crise qui secoue le Niger et tenteront de trouver une issue. Les militants ont pris le pouvoir après un coup d'État et retiennent depuis mercredi le président Mohamed Bazoum et sa famille. Dans la foulée, notez que l'Union africaine, qui condamne aussi le coup de force au Niger, exige le rétablissement de l'autorité constitutionnelle sous 15 jours dans le pays et menace la junte de sanctions après le coup d'État contre le président Mohamed Bazoum. Et les Nigériens qui espèrent que ce changement permettra de lutter contre l'insécurité. Le pays, vous le savez, fait face à des attaques de groupes terroristes, notamment Boko Haram. Et le général Kyani, chef de la garde présidentielle nigérienne, nouvel homme fort du pays, a justifié le putsch par la dégradation de la situation sécuritaire dans le pays. Il a donc suspendu la Constitution et dissous les institutions issues de la Constitution. L'Union européenne a menacé de suspendre tout appui budgétaire au Niger. Heureusement, l'ambiance est tout autre à Kinshasa, capitale de la RDC du Congo, où le coup d'envoi des 9e Jeux de la francophonie a été donné hier. Au nom du président de la République, Alassane Ouattara, le Premier ministre Patrick Kachi a assisté à l'événement. 3000 jeunes sportifs et artistes venus d'une trentaine de pays, dont la Côte d'Ivoire, ont défilé devant des milliers de spectateurs. Le public a eu droit à un spectacle artistique alliant son et lumière. La délégation ivoirienne, que vous voyez sur ces images, donc, a ouvert la parade de la cérémonie officielle d'ouverture. 25 athlètes ivoiriens vont compétir dans les disciplines du judo, de l'athlétisme, de la lutte et sport paralympique.
Voilà, le Premier ministre Patrick Kachi, qui représente le président de la République Alassane Ouattara à Kinshasa, a donc assisté aux côtés du public congolais et du président Félix Tshisekedi à la cérémonie d'ouverture officielle de ces 9e Jeux de la francophonie, organisée 6 ans après notre pays, la Côte d'Ivoire, et 25 athlètes ivoiriens sont en lice. Alexis Ouedraogo, Adam Ankéré sont nos envoyés spéciaux à Kinshasa. Une fresque portée par une balade au cœur des scènes cultes de la République démocratique du Congo. Voilà le tableau de cette cérémonie officielle d'ouverture des 9e Jeux de la francophonie ce vendredi à Kinshasa. Plus de 80 000 spectateurs venus voir défiler 3 000 jeunes sportifs et artistes en provenance d'une trentaine de pays, dont la Côte d'Ivoire. Et après la Côte d'Ivoire, ce n'était pas évident. Et malgré toutes les difficultés, la présence de cette jeunesse dans le stade démontre que ce pari est réussi. C'est aussi un signal fort pour la francophonie et bien sûr un signal fort pour notre jeunesse. Notre jeunesse qui va s'exprimer autour des valeurs de la culture et bien sûr du sport, qui vont donner le meilleur d'eux-mêmes. C'est l'occasion pour que la jeunesse de l'espace francophone puisse exprimer ses talents dans la fraternité. Alors nous sommes très heureux parce que ce que nous voyons nous donne un avant-goût de ce que sera la CAN de l'hospitalité en Côte d'Ivoire. Au-delà de tout cela, nous visons à établir avec tous ces pays une relation fraternelle, d'amitié, de coopération, pour qu'au-delà de la culture, du sport, l'économie prenne sa place et que nous puissions avancer ensemble pour donner à nos populations les meilleures conditions de vie possibles. À la tête de la délégation ivoirienne, le Premier ministre Patrick Kachi. Le pays présente 25 athlètes engagés dans 4 disciplines que sont le judo, l'athlétisme, la lutte et le sport paralympique. Kinshasa reste à ce jour la plus grande ville francophone du monde avec environ 15 millions d'habitants. Voilà, et bonne chance donc à nos athlètes, les athlètes ivoiriens à Kinshasa. La ministre du Plan et du Développement, Niale Kaba, a lancé le programme d'entretien routier de la région du Bonkani. Il s'agit d'un vaste projet de reprofilage des voies des différentes localités de la région. Plus de 1300 km de routes sont concernées par cette action coordonnée par l'AGROUTE. Le lancement officiel des travaux d'entretien de route dans le Bonkani s'est tenu à Bouko, village du département de Bouna. Moussa Konati. À bord de cet engin, Niale Kaba donne le top départ des travaux d'entretien routier dans la région du Bonkani. C'est à Bouko, village du département de Bouna, que la ministre du Plan et du Développement procède au lancement du programme d'entretien routier dans le Bonkani, projet mis en œuvre par l'AGROUTE. Ce nouveau programme baptisé Programme d'entretien routier 2023-2025 prévoit en réponse aux nombreuses dégradations relevées sur nos routes, surtout dans la région du Bonkani. Nous avons en premier temps le reprofilage lourd et le traitement des points critiques. Ensuite, on aura le reprofilage léger. Et cela se passera sur ces 3 années pour que nos routes soient toujours carrossables en tout temps. Ce sont au total 1332 km de routes concernées par ce programme, dont 744 pour le reprofilage lourd et 588 pour le reprofilage léger. La ministre Niale Kaba se réjouit de l'action tout en rappelant les réalisations du gouvernement dans le Bonkani. Pour cette année 2023, le gouvernement s'est engagé à lancer les travaux d'aménagement et du bitumage des axes Nassian, Yaga, Kotouba, long de 55 km. De l'axe Petit Nassian, Teini, Bouna, long de 210 km. De l'axe Varalé, Kalamon, frontière du Burkina Faso, long de 30 km. Et de l'axe Bouna-Vonkoro, long de 33 km. Le coût des travaux d'entretien routier dans la région du Bonkani est estimé à plus de 5,5 milliards de francs CFA. Et on l'a appris également, 9 agents publics de la santé ont été arrêtés. Ils ont été déférés devant le procureur de la République après le pôle économique et financier par la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Ils sont poursuivis pour actes de corruption portant sur l'introduction de vaccins parallèles d'origine douteuse.
qu'ils commercialisaient. Le témoignage de Léon Pro. Voici les échantillons des vaccins parallèles d'origine douteuse détenus par 5 infirmiers, 2 infirmières, un médecin et un chauffeur, soit 9 agents publics de la santé, tous déjà aux arrêts. Ils commercialisaient ces vaccins après les avoir introduits dans le circuit de la vaccination. C'est ce que révèle l'enquête de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Ces agents étaient en possession d'une somme d'argent totale de 654 000 francs CFA, de documents confirmant l'existence d'une double comptabilité, des recettes issues de la vaccination et de faux rapports d'activité journalière. Contre ces 9 agents publics de la santé, la Haute Autorité pour la bonne gouvernance requiert aussi le flagrant délit de corruption, en témoigne le résultat de sa perquisition. Il a été retrouvé, entre autres, 21 407 seringues, 701 produits de vaccination et une centaine de flacons vides de vaccins dans des conditions de conservation inadéquates. Trop tôt pour évaluer l'impact de leurs actes sur l'administration et les usagers des services de santé. Une chose est sûre, toujours selon la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, les 9 mises en cause réalisées par semaine un bénéfice de 2 millions de francs CFA. Leur arrestation fait suite à une dénonciation anonyme via Signalis. C'est au 800-811 ou www.signalis.hbg.ci ou alerte@hbg.ci ou encore www.hbg.ci. Il existe désormais un portail web pour informer et promouvoir l'économie auprès des investisseurs et partenaires au développement. C'est une initiative de la Direction générale de l'économie pour renforcer la gouvernance économique et cela intègre les secteurs clés de l'économie et vise surtout à capter davantage de capitaux étrangers. Léon Bro. Plus besoin d'effectuer le déplacement d'Abidjan pour savoir les domaines de l'activité économique favorable à l'investissement. Il suffit d'une visite sur la plateforme www.dge.gouv.ci. Ce portail web met en évidence les performances et les opportunités d'affaires dans chaque secteur clé de l'économie, agriculture, électricité, mines, énergie, transport, infrastructure, etc. Idem pour le cadre général de développement et les accords de promotion et de protection des investisseurs. Objectif : renforcement de la gouvernance économique et accroissement des investissements directs étrangers. 4 fois le volume capté en 10 ans, selon le ministre de l'Économie et des Finances, au regard de la performance de l'économie ivoirienne. Notre pays a enregistré au cours de cette dernière décennie des performances économiques remarquables, avec une croissance moyenne de 8% sur la période 2012-2019. Ainsi, selon le CPC, les flux d'investissement agréés ont progressé de 316,8%, passant de 119 milliards de francs CFA en 2012 à 496 milliards de francs CFA en 2022. Ils mettent en exergue aussi la Côte d'Ivoire comme moteur de l'UMOA et porte d'entrée du marché de la CEDEAO. Le portail web d'information et de promotion de l'économie ivoirienne est conçu par la Direction générale de l'économie et financé par la BAD à travers le PAGEF, le projet d'appui à la gestion économique et financière. Et pendant ce temps, la ronde du social se poursuit. La région du Haut-Sassandra vient d'abriter la 5e étape. Le ministre Adama Camara a notamment évoqué le régime de retraite complémentaire par capitalisation. Ce produit vise à aider les fonctionnaires et agents de l'État à augmenter leur pension de retraite à travers une cotisation sécurisée et définie par eux-mêmes. Serge Coléa. La région du Haut-Sassandra compte plus de 13 000 fonctionnaires et agents de l'État, selon les chiffres officiels. La 5e étape de la ronde du social leur consacre une tribune. Au menu des échanges avec le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, le régime de retraite complémentaire par capitalisation. Ce nouveau produit, adopté par le gouvernement en 2021, donne la possibilité aux travailleurs de constituer, en plus de sa pension, une épargne sécurisée en fonction de ses revenus afin de bonifier ses gains à la retraite. Des adhérents qui se sont engagés dès le lancement ont été félicités. Je ne voudrais pas jouir de bonnes choses aujourd'hui
Et dans les vieux jours où la santé est défaillante, je n'ai pas les moyens pour y faire face. Alors l'occasion m'est donnée par la complémentaire de revaloriser cette pension pour que demain, je sois encore, oui, cette personne digne-là dans la société. Maître Adama Camara a exhorté les agents et fonctionnaires dans leur ensemble à adhérer massivement au régime complémentaire. La complémentaire par capitalisation que le président de la République a réfléchi pour votre bonheur, pour votre sécurité, au moment où vous allez à la retraite, vous travaillez là, vous avez une seule pension quand vous allez à la retraite. Mais aujourd'hui, il a conçu quelque chose où quand vous allez à la retraite, vous allez avoir deux pensions. La pension, c'est le salaire. Message bien reçu. Séance tenante, une opération d'enrôlement a été organisée. Pour donner un coup d'accélérateur au régime de retraite complémentaire par capitalisation, une convention a été signée. Les équipes de la CEGRAE vont travailler en étroite collaboration avec la conférence des directeurs régionaux départementaux et chefs de service de la région du Haut-Sassandra. Et sur la scène politique à présent, environ 200 femmes venues des quartiers Belleville, Kennedy, Biabou et Gibi dans la commune d'Abobo ont adhéré au RHDP. Ces femmes ont décidé de promouvoir les idéaux du parti des Oufouettis. On en sait plus avec nos reporters Laure Goretti, Patricia Omouitia. Elles ont bravé la pluie pour acter leur adhésion au RHDP. Environ 200 femmes venues des quartiers Belleville, Kennedy, Biabou et Gibi de la commune d'Abobo ont adhéré au parti. Elles disent être convaincues du travail abattu par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Pourquoi est-ce devenu RHDP? Parce que depuis Ouattara est venu au pouvoir, vraiment ça va même. Tout a changé dans ce pays. Il a travaillé même. Il y a la route partout, les ponts. Vraiment, tout a changé, que tout change encore dans notre vie. Nous avons constaté que RHDP est une nouvelle maison que nous pouvons nous adhérer. Nous avons vu le développement de la Côte d'Ivoire, une transformation de notre pays. Voilà pourquoi nous sommes là. Le parrain, Lagaton Kone, et le président de la cérémonie, Alcide Djedje, ont tous les deux salué le choix de ces femmes. Ils ont exhorté les nouvelles venues à l'unité et à la cohésion sociale. Dans la vision du président Alassane Ouattara, qui a insisté sur l'union des Ivoiriens, parmi les 200 femmes, il y a des femmes de toutes les ethnies. Cette diversité doit être unie dans le creuset du RHDP pour faciliter encore plus l'œuvre de développement du président Alassane Ouattara. Parce que sans cohésion, sans paix, on ne peut pas avoir de développement. Les femmes ont émis des doléances, notamment adhérées au FACI. La cérémonie d'adhésion a pris fin dans une ambiance festive. Et justement, la paix fait le lien du développement. La ministre de la fonction publique est par ailleurs présidente du conseil régional du Cavali, Anne-Désirée Oloto, a effectué une tournée dans la sous-préfecture et village du département de Bloloquin. La ministre Anne-Désirée Oloto a invité tous les jeunes à tourner le dos à tout acte de violence pendant les élections locales. Franck Quadio. Sensibilisation à la cohésion sociale dans le Cavali ouest ivoirien. Anne-Désirée Oloto, présidente du conseil régional, achève une tournée dans les sous-préfectures et villages du département de Bloloquin. Objectif, inviter les jeunes à s'engager en faveur des élections apaisées dans le Cavali en s'appropriant la paix et la cohésion sociale, gage de tout développement. Le combat pour lequel je suis ici, c'est le combat pour deux choses. Le combat pour la paix et le combat pour le développement. Aujourd'hui, on a avancé, mais il reste encore beaucoup à faire. L'occasion est jugée opportune par Anne-Désirée Oloto, présidente sortante de la région, qui présente tous les projets de développement réalisés ou en cours de réalisation et qui auront fortement et positivement impacté les populations. Vous avez vu le poste de Cavali là, il sera achevé. On a pris le goudron de Yamsoko jusqu'à Daloa. Daloa, Soukoubet, Kessabo, Kessabet, Tchokwe. Le goudron est parti jusqu'à Man. Maintenant, on est en train de tirer Djokwe, Kiglo. Kiglo, Bloloquin. Bloloquin, tout le plus, ça a fini. Frontière du Libéré, on va arriver là-bas. C'est ce parti au pouvoir là, qui m'envoie ici, dans la région du Cavali,
pour dire on ne change pas une équipe qui gagne. Impact de la politique hardie du président de la République Alassane Ouattara et de son gouvernement à travers le PND, le PSGouv et le Conseil régional. Le Cavali a bénéficié de centaines de milliards de francs CFA en termes d'investissement. Il s'agit entre autres de la construction du centre de santé, du collège et d'école primaire, de l'adduction du village en eau potable, sans oublier le démarrage du bitumage de plusieurs axes routiers de la région. Et il est aussi actif sur le terrain. Le ministre d'État Kobeno Kwasi Adjumani était à une rencontre avec les populations du Gontougo à Tanda et il leur a présenté officiellement sa candidature à l'élection régionale dans le Gontougo. Le reportage est signé Herman Niamien. Kobeno Kwasi Adjumani, candidat du RHDP aux élections régionales du 2 septembre prochain dans le Gontougo. Face aux populations sorties nombreuses pour l'écouter, il a lui-même annoncé officiellement sa candidature en indiquant que c'est avec la bénédiction du président de la République Alassane Ouattara qu'il a été choisi. Le porte-parole principal du RHDP souligne aussi que les actions de développement du chef de l'État dans la région suscitent la confiance des électeurs et facilitent ainsi sa campagne qui est déjà faite à plus de 50%. Il appelle donc à l'unité et à la victoire collective. Nous sommes RHDP. En aucune façon, nous ne pouvons aller contre la décision du parti. Et c'est pour cela que nous invitons les uns les autres à la retenue. Ils peuvent aller en indépendant contre nous, mais de grâce, que ce ne soit pas l'occasion d'aller semer la zizanie dans l'esprit de nos parents qui attendent beaucoup de nous. La déclaration de candidature du ministre d'État Kobeno Kwasi Adjumani a été accueillie avec enthousiasme par les cadres élus et chefs traditionnels ainsi que la population venue des quatre coins de la région pour lui exprimer son soutien indéfectible. Nous allons démontrer au président Alassane Ouattara, nous allons démontrer que le candidat qu'il a choisi, c'est vraiment le candidat de développement. Nous allons le suivre, se battre pour lui, pour qu'au soir du 2 septembre, il soit à nouveau le président du Conseil régional. Nous sommes venus de prier pour vous, le peuple de Tardi, le peuple de Kamala, le peuple de Marawi. Nous sommes des boucliers. Et tous ceux qui s'en prendront à vous, trouveront ce peuple devant vous, derrière vous, à côté de vous, pour vous défendre et vous continuer le combat. Le ministre d'État, Kobeno Kwasi Adjumani, s'est réjoui du soutien populaire reçu de la quasi-totalité des élus et cadres de la région ainsi que des chefs traditionnels, démontrant ainsi que la région du Gontougo parle désormais d'une seule voix. Et on poursuit notre périple à l'intérieur du pays. Le ministre Amédée Koffi Kwaku, candidat RHDP aux élections régionales dans le Lodibois, poursuit aussi ses tournées de mobilisation. Il était récemment à Iré, commune de la région et du Lodibois, pour rencontrer et échanger avec les populations sur les questions du développement. Il a appelé ces populations à la cohésion sociale et au vivre ensemble. Mama Traoré. 24 heures pour rencontrer et échanger avec les populations des 8 villages de la commune de Iré. Amédée Koffi Kwaku, candidat du RHDP aux élections régionales du 2 septembre prochain dans le Lodjibois, dit être venu s'imprégner des réalités. Réalités qui font état de besoins d'infrastructures de base dans ces localités. De Duaville à Zaroko, en passant par Boakako, Gogobro, Kagbré, Iré Gravier, Nguessan-Kankro et Bonikro, les porte-parole des populations font état de manque d'eau, d'écoles, de centres de santé et de routes dans leurs localités respectives. Amédée Koffi Kwaku rassure, ces doléances seront prises en compte et résolues grâce à la politique de développement du président Alassane Ouattara. Ici, c'est une région où on a une diversité ethnique. Au-delà donc de tout, tout ce qui est obédience politique, PPACI, PDCI, RHDP, nous sommes tous ensemble pour regarder dans la même direction, qui est la direction du développement donc, de Iré, et un peu plus large donc, de la région du Lodibois. Nous repartons satisfaits, hein, parce que quand nous voyons tout l'enthousiasme de ces populations-là, nous ne sommes qu'heureux, parce que ce que nous demande le président Alassane Ouattara, c'est d'être proche des populations, de nous enquérir donc, de leur situation réelle, de sorte que nous puissions apporter des solutions idoines à leurs attentes. Amédée Koffi Kwaku n'a pas manqué d'inviter les populations de Iré à porter leur choix sur sa personne lors du scrutin de l'élection régionale du 2 septembre prochain.
Voilà, la Côte d'Ivoire, terre d'hospitalité, entretient d'excellentes relations avec plusieurs pays. La communauté nigériane vivant en Côte d'Ivoire exprime justement sa reconnaissance au peuple ivoirien. Elle veut renforcer ses liens d'amitié avec notre pays, la Côte d'Ivoire, qui l'a accueilli. Une cérémonie a donc été organisée et par ailleurs, il y a eu également cette cérémonie qui a permis de saluer l'élection démocratique du président du Nigeria. Les Nigériens vivant en Côte d'Ivoire ont célébré la bonne entente et la cohésion, nous dit Eric Goré. La diaspora nigériane vivant en Côte d'Ivoire honore son pays d'accueil et également son pays d'origine, le Nigeria. Sans oublier les deux présidents, Alassane Ouattara de la République de Côte d'Ivoire et Bola Ahmed Tinubu du Nigeria. Cette communauté est engagée à promouvoir la démocratie et à renforcer les liens avec le peuple de Côte d'Ivoire. Le roi de la communauté nigériane a marqué sa présence à cette cérémonie. Il salue la démocratie. Il salue aussi l'arrivée au pouvoir de Bola Ahmed Tinubu de façon démocratique il y a quelques mois. On est venu manifester notre joie de soutien à notre excellence Tinubu Ahmed. Et nous remercions les autorités de ce pays. Nous vivons en paix et nous sommes très bien accueillis. Le président de la communauté nigériane de Côte d'Ivoire donne l'intérêt de cette rencontre. Nous organisons des colloques, la symbiose entre les peuples ivoiriens et ceux du Nigeria. L'ambassadeur du Nigeria en Côte d'Ivoire appelle au renforcement des liens entre les deux pays. Je suis content d'être parmi mes ressortissants nigériens ici en Côte d'Ivoire pour célébrer avec eux concernant la communauté nigériane ici en Côte d'Ivoire. Je les donne conseil de continuer de faire d'habitude comment ils font ici en Côte d'Ivoire, respecter et se comporter légalement et soit positivement supporter la communauté nigériane et la Côte d'Ivoire entièrement. L'association de la diaspora nigériane a pour mission de maintenir la paix dans la communauté et l'entraide entre les membres. Et nous sommes samedi, place à l'essence culture de ce 20h. Voilà, nous commençons par la commune de Cocody qui abritait la 9e édition du Yorodéé. Le pain tissé était à l'honneur. Il y a eu des expositions et défilés de mode. Sèche pas comme Didi, Sèche Coléa pour le témoignage. Des sacs à main, des chemises, des robes, des t-shirts, des calepins confectionnés à partir du pain tissé. Une exposition enlevée de rideaux de la 9e édition du Yorodéé Festival du pain tissé africain. Cette année, le volet social fait la part belle aux handicapés. Le but de cet événement, c'est de pouvoir valoriser le pain tissé ivoirien et africain. C'est un groupe de personnes handicapées vivant avec l'handicap. Vraiment, ça fait plaisir, ça nous fait très plaisir. Et d'ailleurs, on est très, très contentes aussi. Les créateurs sont au four et au moulin pour donner de l'éclat. Je présente des accessoires de mode faits à base de pagne, des perles, des courries. Je présente une collection faite avec le pagne tissé pour valoriser le pagne tissé ivoirien. C'est les tenues de soirée. Amateurs, férus et passionnés de mode sont au rendez-vous. Les créateurs présentent en exclusivité leur dernière collection dominée par le pagne tissé. Des tenues, des accessoires qui épousent l'air du temps. Les visiteurs saluent cette initiative qui met en lumière les matières ivoiriennes et africaines. C'est l'occasion pour moi de témoigner de toute la créativité ivoirienne, de tout le talent qui existe. Le pain tissé actuellement, au moment où nous parlons, est déjà sur le processus d'être inscrit dans le patrimoine mondial de l'UNESCO, notamment le pain baoulé. Cette 9e édition qui met en avant les personnes en situation de handicap souligne d'une part le caractère inclusif de ce secteur et d'autre part son importance socio-économique. Yorodéé Nouveau Soleil en langue Wé fait depuis 2003 la promotion du pain tissé. Pour cette 9e édition, 14 créateurs ont fait montre de leur savoir-faire.
Et notre voyage culturel se poursuit. On part maintenant pour le district autonome d'Ella qui vient de lancer à Toumodi son premier rendez-vous culturel baptisé Nzrama Festival. C'est une vitrine pour mettre en exergue la culture, le tourisme et le potentiel économique du district. Kades Ogodogo, le reportage. Entrée majestueuse, bercée au son du tambour, rythmée par les exigences de la tradition léguée de génération en génération. Le peuple bron, à travers son roi, Nana Adengra Adjoumani et sa cour, invité spécial du Nzrama Festival, pensé, conçu et mis en œuvre par Raymond Goudou Koufi, ministre-gouverneur du district autonome des Lacs. Toumodi et son stade témoignent de la première édition de ce qui se veut, la vitrine idéale pour mettre en relief la diversité culturelle, touristique et économique du district. Le thème est révélateur. De la production à la transformation de nos produits agro-pastoraux. Il y a la commercialisation aussi. Sinon, nous entrons dans la phase de déperdition de nos produits. Et c'est ça qui mine le secteur. La déperdition, le pourrissement des produits et du travail de nos femmes et de nos jeunes. Nous avons des richesses. Et nous devons, bien entendu, pouvoir adapter ce que nous voyons à l'extérieur dans nos pays. C'est ça l'objectif de Nzrama Festival. Des membres du gouvernement dont la présence témoigne de l'importance de ce levier de développement naissant qui est le Nzrama Festival. Docteur Koufi Nguessa, Souleymane Diarra Souba et Kwadio Konabertin qui représentait le ministre d'État Obinan Kwasi Adjoumani. Soutien et encouragement à Madame la ministre gouverneure qui en peu de temps prend de telles initiatives. Pour montrer en fait les atouts et les opportunités de son district. Et je pense que ça doit inspirer plus d'un à l'effet que la politique prônée par le président Alassane Ouattara comportant la décentralisation puisse être une réalité. Tout ce que je peux vous demander, chers parents, rien de tout ça ne peut être possible si on n'est pas unis. Rien de tout ça ne peut être possible si on n'est pas solidaire, si on ne s'aime pas. Le président Ouattara a décidé de rassembler à nouveau son peuple. Aimons-nous les uns les autres. Des stands dédiés à l'agriculture, y compris l'élevage, à l'industrie, à l'artisanat et des danses vont tenir en haleine durant 3 jours. Tous ceux qui feront le déplacement pour suivre le Nzrama Festival qui a démarré au stade de Toumodi. Voilà comment la culture rassemble et prône la paix. On en arrive à l'entretien avec notre invité de la page culture de ce 20h. Et ce soir, je vous l'avais promis, nous vous proposons une œuvre romanesque de l'auteur Siaka Kone, étudiant à l'Institut national de la jeunesse et des sports. Et l'œuvre est intitulée « Une vie d'espoir ». Je vous retrouve avec plaisir, M. Siaka Kone. Le plaisir. Je suis donc ravie de vous retrouver. Alors, votre roman « Une vie d'espoir », dites-nous, est-il basé sur une histoire vraie ou est-ce une fiction? Une vie d'espoir, voilà. C'est une histoire réelle. Une histoire réelle. Une histoire réelle. Ce n'est donc pas une fiction. Tout à fait. Alors, il s'agit de Tagafolo, qui est votre héros. Qu'est-ce que cela signifie, Tagafolo? Tagafolo, c'est quelqu'un qui a toujours de l'espoir. Quoi qu'il arrive, c'est la personne... C'est en langue... C'est nouveau. En langue, c'est nouveau. Voilà. Donc, vous comprenez comment est-ce que le débat va se tenir ce soir. Allez, on y va. Donc, Tagafolo, qui signifie... Espoir. C'est en ce nouveau et en français, ça signifie espoir. Espoir. Alors, Tagafolo a fait face à de nombreuses adversités dans sa vie, une existence parsemée d'embûches. Cependant, il a gardé l'espoir et il a pu réaliser son rêve. On va suivre ensemble le récit qu'en fait Serge Collier, notre reporter, qui a bien lu votre ouvrage. D'accord. On suit ensemble et on en reparle. Une vie d'espoir, c'est l'œuvre littéraire de Siaka Amara Kone. L'ouvrage relate la vie d'un jeune homme, Tagafolo, 9 ans, contraint d'abandonner l'école pour se retrouver à diriger le troupeau de bœufs de son oncle, sous prétexte qu'il est le fils aîné de son père. Après quelques temps, Tagafolo devient un adolescent et décide de se lancer dans une activité génératrice de revenus qui lui permet de se réinscrire à nouveau dans une école de la place. Tagafolo le rejeté devient quelques années plus tard un juriste qui fait la fierté de sa famille.
C'est vraiment une vie d'espoir. La suite me plaît bien parce que la suite s'achève très bien. Alors, dites-moi, pourquoi les parents de Tarafolo, parce que sincèrement, ça m'a gêné quand j'ai lu l'ouvrage, ont-ils laissé faire lorsque l'oncle a décidé de retirer Tarafolo de l'école pour la raison qui est quoi? Surveiller son troupeau de bœufs. Oui, les parents ont laissé faire l'oncle parce que, vous savez, chaque peuple a sa... à ses principes et ses règlements. Et généralement au Nord, les parents, sinon les géniteurs de l'enfant, n'ont pas de mots à dire concernant l'avenir des enfants. Mmh. Ce sont les oncles qui prennent toutes les décisions familiales. Cette coutume-là s'applique encore? Avec le temps, il y a de l'évolution, les mentalités ont commencé à changer. Mmh. Et cela nous réjouit d'ailleurs. D'accord. Et dans l'œuvre, le revirement de l'oncle résident à Abidjan n'est pas clair. Pourquoi, dites-moi, pourquoi a-t-il finalement refusé de participer à la scolarisation de son neveu, Tarafolo? L'oncle d'Abidjan a refusé de participer à la scolarisation. Pourtant, au départ, il était partant. Mais au fait, l'oncle a été manipulé par son frère aîné du village. L'un frère aîné du village qui se nommait Nyango, voilà, c'est lui qui a manipulé ce dernier, lui disant, balançant des expressions fallacieuses, voilà, disant quoi, parce que l'enfant ne venait plus l'aider, l'enfant s'adonnait à des pratiques non religieuses. Donc, avec toutes ces expressions, l'oncle a décidé de laisser l'enfant tomber. Oui, ils se sont entendus pour faire du mal à Tarafolo, parce que la suite est très belle. Et les parents regardaient au nom de la coutume. Il y a un message que vous avez voulu véhiculer au lecteur ici. Pas seulement qu'un message. Mmh. Voilà. Il y a assez d'enseignants. Oui, assez d'enseignants, voilà. La patience, la persévérance et surtout le pardon. Le pardon, quoi qu'il arrive, il faut pardonner. Les présentateurs culturels, souvent, sont des obstacles. Il faut pouvoir donc briser... quoi qu'il arrive, les obstacles, il faut pouvoir Et vous pouvez les affronter. D'accord. Alors, Tarafolo, malgré son jeune âge, se bat pour ses études contre vents et marées. Vous avez aussi voulu qu'on puisse tirer des leçons avec cette détermination que nous a montré Tarafolo dans l'œuvre. Oui, oui. Avec cette détermination que nous a... Si jeune, hein, parce qu'il avait 9 ans lorsqu'on l'a retiré de l'école, mais il ne s'est pas laissé faire. Oui, il ne s'est pas laissé faire. Vous savez, les enfants sont des êtres avec leurs amis et autres, voilà, cette envie naît. Par exemple, si je suis là que je n'arrive pas à faire ce que mes amis font, avec l'engouement, tout ça, cela peut me motiver. Et sûrement, c'est ce qui a motivé Tarafolo. Avec les injures, sinon les moqueries, tout ça, ça a motivé plus davantage Tarafolo à pouvoir leur emboîter le pas. Mm-hmm. Sinon, à ne pas du tout... abandonné. D'accord, donc il a perçu ça comme un défi à relever. Comme un défi à relever. Mmh. Et c'est ce qui l'a poussé à réaliser tous ses rêves. D'accord. Et Tarafolo, votre héros, réussit grâce à sa mère, parce qu'il faut le signifier, son deuxième oncle qui l'a rejoint à Abidjan l'a chassé en mettant en place une stratégie. En lui tendant un piège même. Voilà, puisque, pour le dire, c'est l'oncle du village qui était à la base de tout ça. Parce qu'à chaque fois, c'est lui qui venait avec des idées, avec des stratégies pour pouvoir se débarrasser définitivement de l'enfant. À chaque fois quand il y a un obstacle, il se lève, il réfléchit, il appelle son frère cadet et lui dit, bon, tiens, tu fais ça. Et des adultes, au lieu d'encourager la scolarisation de l'enfant, eux, ils mènent... Quelque part, il y a une jalousie qui est derrière. Parce que l'oncle du village avait son enfant qui venait d'échouer pour une troisième fois à l'entrée en sixième. Donc, ça lui faisait tellement mal. Et il fallait, coûte que coûte, mettre des bâtons dans les roues de son neveu pour qu'il freine. D'accord. Et il va donc réussir, grâce à sa mère, grâce à sa tante, à poursuivre donc ses études. Il part en France et il revient avec une situation professionnelle réussie. Et puis, ce qui est bizarre, c'est que quand il arrive, il choisit de ne pas se venger de ses oncles. Au contraire. Tout est une question d'éducation. Tout est une question de ce que nous avons réussi de nos parents. Voilà. Parce que c'est pour tous ceux qui ont lu l'œuvre, du début jusqu'à la fin, les deux géniteurs ne faisaient que prôner la paix.
ne faisait qu'encourager, dire à l'enfant, quoi qu'il arrive, quels que soient tes ongles faits, il faut toujours te soumettre. Ils ont tous les droits sur toi. Et c'est d'ailleurs, c'est ce que... Mais c'est ce mutisme, il ne faut pas aussi l'encourager. Non, parce qu'on ne va pas aussi encourager à faire le mal. Mais on ne va pas encourager à faire le mal. Mais quelque part, on retient le positif. On retient le positif pourquoi? Parce que tantôt, on pense que ces atrocités, nous vivons des moments difficiles. Mais quelque part, ça nous forge. Et ça a forgé Sagafoula. Voilà. Quelque part, ça nous forge et ça nous mène à comprendre la vie autrement. Voilà. D'accord. Alors finalement, pensez-vous qu'il n'y a pas d'excuse valable pour ne pas réaliser son rêve? La pauvreté n'est pas une excuse. Parce qu'il faut reconnaître que Sagafoula était issu d'une famille quand même assez modeste. Mais il a réussi à réaliser son rêve, à s'occuper de son village. Il était riche. Finalement, la pauvreté n'est pas une excuse. Pour ma petite expérience, la pauvreté n'est pas une excuse. Il n'y a pas d'obstacle qui peut contraindre une personne qui a une bonne volonté. Tout est une question d'objectivité. Quand on a des objectifs, on se donne les voies et moyens pour pouvoir arriver à nos fins. D'accord. Donc, quoi qu'il arrive, surtout à nos jeunes frères, à mes promotionnaires et autres, ce que je peux dire, c'est qu'on ne lâche pas une affaire. Si l'affaire nous tient à cœur, il faut toujours poursuivre l'affaire, se donner les moyens et surtout, les inconnus, que ce soit les inconnus ou nos connaissances, il faut toujours mettre le respect au devant des choses. Avec le respect, on arrive à déterrer assez de choses. Et à relever assez de défis. Vous avez évoqué les bienfaits de l'éducation. Voilà Sagafoula qui a lutté contre vents et marées, malgré les difficultés. Aujourd'hui, il gagne bien sa vie. Vous avez aussi un rêve, vous êtes jeune. Oui. Il a réalisé son rêve, Sagafoula, c'est un jeune. Vous aussi, vous avez un rêve en deux secondes. Oui, j'ai un rêve. Mon rêve le plus cher, c'est de pouvoir un jour bénéficier, sinon aider quelqu'un, sinon des gens à se réaliser aussi. Parce que avec mon parcours, moi aussi, j'ai bénéficié des mains fortes. Notamment, je pense à la famille Diarasouba ainsi qu'à la famille Sanogo qui m'ont assez apporté de soutien. Et aujourd'hui, j'en suis tellement fier. Tout ce que je demande au Seigneur, c'est de me donner des moyens pour que je puisse rendre l'appareil, pour que je puisse prendre un jour quelqu'un à ma charge et puis réaliser ses rêves. Très beau rêve. Et vraiment, nous prions que cela se réalise. Surtout, je demande que chacun, sinon les jeunes, soient audacieux. Voilà, il faut toujours oser. N'ayez pas peur d'approcher les gens. Il y a certains qui veulent aider, mais eux aussi, de leur côté, ont peur. Parce que les jeunes de maintenant ne présentent pas de bonne image. Il faut pouvoir oser, mais dans le bon sens. Merci beaucoup, M. Siaka Kone. Merci d'avoir été notre invité de la page culture. Je rappelle que vous êtes étudiant à l'INJS. Merci de nous avoir partagé votre optimisme en la vie et aux vertus de l'éducation. Voilà, l'auteur Siaka Kone nous offre un véritable trésor avec une vie d'espoir que je vous recommande fortement à travers le parcours inspirant de Sagafoula. Ce jeune héros incarne à la fois courage, détermination. L'école lui a ouvert les portes. Ne refermons pas l'école à nos enfants. Que le savoir, l'espoir soient accessibles à tous. Le rêve est permis, dit-on. Rien n'est impossible. À demain 20h.